Hey, y'a tout le monde et bienvenue pour l'épisode 7 sur Agrarian, voilà. Agrarian Sky, bonjour tout le monde. Alors, il s'est passé pas mal de choses, notamment vous pouvez voir là-bas une tour à moi que j'ai construite hier soir vers les alentours de minuit. Donc, c'est des convoyeurs belt, hein, donc c'est bien la quête, pas celle-là, ni celle-là. Mob Hunter, ceci. Donc c'est facile à faire, c'est que du fer, hein, donc tout le monde a du fer en masse. Hop, je reviens là-dessus. Donc du coup j'ai 3 étages. Donc vous mettez le sol, vous augmentez de 3 cobbles et au quatrième vous remettez une couche de cobble et de rail, hein, bien sûr. Vous faites ça sur 3 étages et je vous garantis que c'est une pluie de mobs qui tombe directement. Bah alors pour l'instant on l'a mis dans le void. Je l'ai mis plutôt dans le void. Pourquoi? C'est tout simplement, je n'ai pas de système de stockage de mobs. Donc, les mobs, bah, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Ça tombe, ça tombe, ça tombe en boucle. Mais pour l'instant, je ne mets pas de système de stockage. Pourquoi? Parce que quand je l'ai mis là, déjà tout le monde meurt. Une bonne partie meurt. 98% des mobs tombent et meurent. 2%, bah, c'est les boss. Entre parenthèses. Hein. Et bah du coup il n'y a pas tout le monde qui meurt. Donc flux d'items exagéré. Donc il y a tellement d'items que bah du coup je les mets pas. Donc je les laisse tomber dans le void. Je me suis fait un pulvériseur et un furnace pour faire cuire ça directement sans passer par Tinker. Tinker servira seulement pour faire des alliages. D'ailleurs j'ai encore dû faire couler. J'ai fait. Des belles choses, ouais, j'ai un max de colorant. Pourquoi un max de colorant? Parce que j'ai fait les fameux croisements. Ça m'a pris 1 heure quasiment pour chaque fleur là. Donc il me faut celle-là, 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 celle-là. Celle-là, c'est la dernière. La Daisy. Pourquoi? Parce que je veux justement faire ceci. C'est la Redstone Dendron Seed. Donc il fallait la Red Tulip et la Daisy. Donc tout ça, j'ai bien sûr en stock. Donc c'est la Red. D'ailleurs, je vais prendre une vraie Red et une Daisy. Voilà. Donc on les met ici. Tac et tac. On fait ça, on fait ça. On les fait pousser, naturellement. Hein. Donc des fois, ça peut prendre du temps comme ça peut prendre rapidement. Mais surtout, en fait, sur ça, ça me dit que Crop Mutation, ça et ça ferait ça. Sur du n'importe quel truc, un hein, Podzol, voilà. Et ça a besoin de ça, below, en dessous de la dirt, pour obtenir justement une crops. Alors je vais voir de deux façons. Soit c'est en dessous, et du coup ils sont contents. Donc ça veut dire ça, ça, plus ça. Ah bah non, donc ça marche pas comme ça. Soit naturellement c'est ah, évidemment c'est une void. Voilà, une machine frame en dessous. Une red tulipe, ouais, j'ai encore une red tulipe. Donc c'est pas cool. Hop. On va voir si on arrive à avoir la fameuse graine qu'il nous faut. Red tulip, c'est pas la bonne. Daisy, c'est pas la bonne non plus. Est-ce que ça va marcher? Daisy seed, c'est pas la même. Ah, ça prend plus de temps. Red tulip, fichier, pas la bonne. Donc, je pense que vous voyez, je vais faire une ellipse parce que le temps que tout ça se fasse. Tranquillement, je pense que j'ai encore pas mal de temps avant d'obtenir la fameuse graine. Ouais, j'ai encore une Daisy. Je vais obtenir jusqu'au dernier, voir un petit peu ce qu'il y a. Ouais, je suis pas sûr que je vais vraiment l'avoir. Ah, si, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, une petite question me pose. Ah non, ça disparaît pas. La frame ne se barre pas. Donc j'ai celle-ci.
Alors ça, c'est plutôt un bon point du coup. Moi, je voudrais savoir si c'est possible d'en avoir une, au moins une deuxième pour avoir l'écrasement. Non. Non plus. Ouais, j'en ai une deuxième. Cool. Voilà, donc du coup, ça, je peux les ranger là. On va juste les authentifier. Celle-là aussi. Red tulip, c'est cool. Tac et tac. On va les analyser. 10, 19, 19, 10. 10, 10, 10. 19, 10. Et 10, 10, 10. Ah bah c'est cool. Voilà. Donc, maintenant, une fois que nous avons ça, eh bah ça déjà, on va les scanner. Ah, ça prend du temps. Hein. 5, 5, 5. Oh, c'est cool. Alors, du coup, maintenant, il va falloir. Ah, en plus, c'était pas la bonne. Voilà. Bon, bah, je l'ai perdu. Tant pis, je l'ai perdu. J'aurais dû faire une couche supplémentaire. Rien. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Ensuite, ceci, ceci. Tac et tac. On fait pousser. Je sais pas ce que ça donne, hein. Normalement, c'est de la redstone. Dans la pure logique. Ce serait de la redstone. Après. Ah. Elle ne peut pas pousser là-dessus. Oh putain, avec du. Oh là. What the fucking shit? Ok, on peut vraiment faire tout. On peut vraiment tout faire. Ok, très bien. Alors, cette plante-là ne veut pas pousser ici. Pourquoi? J'en sais rien. On va peut-être la faire pousser dans le noir. Si c'est le cas, tant mieux. J'ai de la terre, oui. Donc du coup, si j'ai de la terre, vais pouvoir faire ça. Du compte. Ah, fuck, ça marche pas non plus. Ça ne fonctionne pas non plus. Alors, sur quoi elle doit aller pour pouvoir pousser? C'est sur quoi qu'elle peut pousser? Non, ça marche pas là-dessus. Sur du sable? Non. Ce n'est pas sur du ça, sur du puzzle. Ouais, mais ça ne fonctionne pas. Ah, bon bah attendez, je vais revenir, je vais faire un petit tour sur les faux-faux. Ok, re-légende. Donc, j'ai regardé une petite vidéo d'un petit Hanley. Oh, Reddick est en train de s'amuser à élargir sa plateforme. Il a quelque chose à compenser, lui. Moi, je reste tout petit parce que voilà, hein, je n'en dirai pas plus. Et bon, alors, pour que ces graines-là puissent grandir dans une vie super cool, va nous falloir en fait justement ce qu'on a là, des magic frames. Alors, pourquoi ça? Ça ne pousse que s'il y a justement ces magic frames en dessous. Oui, ça a l'air un peu con, mais ça marche bien. Donc, on va en faire en sorte que bah on puisse avoir du verre. Voilà. Voilà, nous avons nos 8 qu'on va faire bien entendu cuire. Tac là, 4 là. Voilà, comme ça cuit tranquillement.
Nous, on va pouvoir se faire ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Nous avons la Team Gear. Nous attendons plus que, justement, le verre. Et on va pouvoir le mettre quelque part. Alors, ça serait judicieux de le mettre à partir de là, qui va jusqu'à là-bas. Bien sûr, en mettant tout ce qu'il faut au sol. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de là, on va le faire sur 3 de large. Ça paraît judicieux. Voilà. Hop. On va faire ça comme ça. On va laisser un truc au centre qui sera de l'eau. Par exemple, ici, on mettra de l'eau. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour comment mettre justement une redstone lampe colorée. C'est toujours cool. Voilà, bon, c'est vachement pas du tout symétrique parce qu'il y en a 4 là, 4 et il y en a 5 là. Je pourrais limite justement les enlever ceux-là. Bon, il y a la moitié qui, il y a plus de la moitié qu'ils ont, mais OSEF. Hop, ouais, comme ça c'est plus correct. Et on va mettre notre eau en plein milieu. Eh, en fait, non, on ne peut pas mettre de la truc au milieu. Ça, on va le mettre, je suis un peu obligé. Mais disons que en fait ça et ça en fait on peut pas parce qu'on va mettre des magic frames. Celle-là on la vire, on va chercher ce qu'il nous faut. Déjà on va remplir le seau d'eau. Hop. Voilà. On va prendre ceci et cela. Évidemment c'est là-haut. Tac, tac, tac. Voilà. Nous avons ceci, nous avons ça. C'est cool. Hop, voilà. Donc nous avons ceci, ceci et cela. On va chercher le hook. Nous vous avons besoin de hook. Je sais pas que je l'ai foutu par contre. Ah si, là. Bon, allez hop, on va tout faire. Tic. Voilà. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais, ça marche, c'est cool. Du coup, ça, on va le foutre là. On va foutre ça, ça et ça. Hop, donc du coup. C'est juste pour sécuriser que je fais ça. Hein. On va refoutre une autre plante par là. Voilà. Nanana. Nanana, j'ai dit non. Hop. Voilà, comme ça s'étend tout au long. Ceci étant dit, on va faire ça et ça. Comme ça, c'est plus correct. 1, 2, 3. Ah oui. On aurait pu la mettre là en fait. Ça fait rien. De toute façon, ça fera en sorte que ça fonctionne. On met notre dirt. Voilà. On fait ça. Et on plante nos graines. Tac. Et on va faire nos croisements ici. The plant fertile and the growth. Voilà. Donc du coup, on peut faire nos croisements ici. On va faire nos croisements, on va les mettre en 10-10. Et une fois que tout ça c'est fait, je reviens vers vous pour justement compléter notre champ correctement. Voilà, sur ce, à tout de suite. Et re les gens, bon moi je suis en train de m'amuser à faire mes fameuses croisements qui nous plaît bien naturellement. On commence à avoir quand même des très bonnes graines, hein. Donc ça va, là-bas c'est du 5-5-5. C'est pas trop un véritable problème. Mais bon, c'est quand même bien de les augmenter.
Mais je ne savais pas qu'on pouvait les bunt miller pour justement les accroître leur rapidité. Donc au lieu de prendre 45 minutes à les faire pousser, en fait, ça n'en fait que plus que la moitié. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Ça, je m'en doutais que c'était ça. Allez, voilà. Alors attendez, ça, on la fout là-haut. Voilà. Oh! Deux graines qui se chevauchent, c'est quand même bien. C'est du 9-10-10, donc c'est plutôt un très bon choix. Donc ça veut dire que la prochaine, bah, ça sera du 10-10-10, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, si ça veut. On va jeter un petit peu. Regardez cela. Voilà. Voilà. Et la troisième. Qui va bien. Hop là, c'est une 10-10-10 du coup. Ça, c'est plutôt parfait. Ah bah non, c'est pas une 10-10-10. Ah. Ah, je pensais que c'était une 10-10-10. Autant pour moi. Pas une 10-10-10. Hein, c'est pas cool, les gens. Bon, normalement, celle-là, c'est une 10-10-10. Ah, bah non. Ok, c'est la même. Et celle-là. Celle-là, c'est une pure. Pas une note pure non plus. Ah, c'est une 10-10-10 celle-là et celle-là, ça doit être une pareil 9-10-10. Ouais, 9-10-10. Donc on pète cela, on remet les grosses plantes, on les bonnes mills, voilà, et on repart. Oui, en faisant ça. Et du coup, celle-là, c'est sûr à 100%. Quand on obtient une 10-10-10. Donc du coup, on a une 10-10-10 en version redstone. Et ça, c'est plutôt cool du coup. Parce que, notamment, en faisant... Bah, vous voyez, j'en ai 62 là. Faisant un clic droit, pouf, j'en ai obtenu 4 de plus. Ce qui est quand même suffisamment cool. Du coup, bah ça, c'est plutôt un bon point du coup. Hop, ça, je remets là. Je remets ça là. Du coup, ça veut dire que ça... Je peux faire mes croisements habituels. Hop. Évidemment, quand ça veut pas, ça veut pas. Tac, tac. Voilà. Donc du coup, bah ça, c'est correct. On peut mettre de la mode Nils pour accélérer le tout. Voilà. Et on peut refaire nos croisements habituels. Vous voyez, en plus, ça pousse en plus. C'est ça qui est cool. Voilà. Une graine, une graine. Voilà. Et puis on continue. Tac. Une graine, une pousse de merde. Une bonne pousse. Voilà. Hop. On fait ça. Voilà, c'est une bonne pousse. On continue. Ici, on peut faire de deux façons. Soit on remet de la terre comme on a mis là. Là et là. On fait ça et on fait les fameux croisements. Allez, je sais que tu peux le faire. Ah bah non, tu peux pas le faire du coup. Ah, tu veux pas toi, hein? Ouais, ça veut pas. Dans les croisements comme ça, quand il y a une seule plante à côté, c'est assez dur. Après, si ça veut vraiment pas, vous faites ça. Vous faites ça, vous faites ça. Vous remettez la plante, vous la bonne smilez celle-là. Et vous refaites ceci. On obtient une graine du coup ici.
en buns. Et puis normalement, là, on obtient une bonne plante. Enfin, si ça veut. Évidemment, ça veut pas. Allez, t'as une belle plante à côté. Non, t'es sérieux? Tu veux vraiment pas? Ah, c'est bizarre. Ça veut pas, les gens. On va faire rien, on va répéter, hein. Voilà, ici on obtient une belle plante. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait le croisement et on continue. Si ça veut pas comme ça, bah ça voudra comme ça, hein. Tac, 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 tac. Évidemment, 2 sur 3, sinon c'est pas beau. Voilà. Voilà, avec le temps, on y arrive. Oups. One. Choose. Ah bah évidemment. Chami 203. Hein. Voilà. Donc là, du coup, on a les graines de redstone. Bien sûr, il y a d'autres graines. Hein. Mais je pense que les autres graines, je les ferai pas du tout avec vous, du coup. Évidemment. Parce qu'ils sont quand même assez longs à voir. Allez, toi tu peux le faire. Voilà. Hop. Et puis la dernière, les deux dernières ici. Évidemment. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Allez. Évidemment. Donc après, si ça fonctionne pas, hein, on fout ça. En fait, je crois que c'est une... Hein? Hein, je dois savoir pourquoi ça ne veut pas pousser. Je crois savoir. Ah ouais. C'est tout simplement que j'ai oublié de mettre de la... Comment? Ici, j'ai oublié de mettre Ah, les machine frames. C'est pour ça que ça pousse pas. Ah, je me disais bien. Ça, la bonne mine, ça voulait pas, alors que là, ça pouvait, quoi. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Du coup, bah, j'ai quand même ce qu'il faut. Ça, c'est une 10 des 10, ça. Donc, c'est plutôt sympa. On peut sauter là-dessus. Voilà. Mettre ça, du coup, dans les coffres. Bon, pas celle-là, c'est une 10 10. Voilà. Bah, ça fait quand même un bel épisode de plus, hein. Du coup, bah, la redstone, on peut la remettre là. Voilà. Ça, bah, du coup, je vais la garder dans le coffre. La bonne mint avec les crops, va falloir les mettre quand même. Ça, on peut les jeter. Voilà. Hop. Et voilà. Du coup, ça, tac, tac, tac. Voilà. Dans la quête suivante, du coup. Alors, j'ai une seed, hein, ça m'a donné une magnum torche. Il y a le journal pour faire des patates. Mais tomato. Tomato. Tomate. C'est de la tomate là, des carottes. Potate. Ok, ça fait des patates. Je sais même pas si j'en ai en fait. Non, j'en ai pas. Ouais, bon, ça attendra plus tard des tomates, hein. C'est pas ça qui va me tuer. Ah, les irrigations. En plus, j'ai pas fait un champ à paire.
Tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, bah, irrigation. Irrigation, voilà. Évidemment, c'est comme ça. Attends, il y en avait 31. On fait comme ça. Oui, ça en fait 60. Hop, 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 66. Ça en fait ça. Ceci, on a besoin pour faire une valve. Donc c'est un levier et ceci. Donc on a besoin de ça. On a besoin de stick. Ça, je vais le remettre. On a besoin de stick et de cobble. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça fait une valve. On va en faire deux pour la peine. Merde. Tac. Ça va, il y en a encore 34. Voilà. Hop. Voilà, ça fait une valve. Et ensuite, nous avons besoin de... Bah deux. C'est tous les mêmes. Forcément. On a besoin de sprinkler. Le sprinkler qui se fait avec des barres, un seau, du fer et du fer et du fer. Loulou, viens que je te cherche du fer. T'en as plein les coffres. Oh la vache. Effectivement, t'en as plein les coffres. Hop. Du coup, bah ça va là-haut. On va en faire 33. Non, 30, c'est déjà pas mal. Tac. T'en fais 10. Tac, des barrières. On va en faire 32. Ça en fait 16, du coup. Barre et bûche. Ah, bah c'est bon. On va faire 10 sauts. Voilà, nous en avons 10. On pourrait limite avoir encore 3 sauts. J'ai pas une autre table de craft dans le coin. Faut que je fasse 3 sauts, les gens. C'est bien 3 sauts, hein. Ah non, c'est 6 sauts. Eh bah faisons 6 sauts, voilà. Prenons ça, faisons ça, voilà, parfait. Retourne là-haut, ça en fait 6 de plus. Évidemment, c'est encore bien bugué. Voilà. Eh bah je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Hop, ça nous donne ça et ça nous fait une clé moularde. Et c'est une version good. Ok, good. Vachement good. C'est de la bouffe. Assez good. Hop, tant pis. Donc du coup, bah ça fait ça et ça. Ça fait 19. Ça va, c'est plutôt sympa, 19. Du coup, nous, dans notre quête... Ah, on va voir juste un petit peu le market. Je pense qu'on va se laisser là, du coup. Le market... C'est quoi? Des planches, de la laine, une émeraude. Normalement, j'ai une émeraude. Ouais, j'ai une émeraude. De la laine. Je crois que j'en ai. Ou pas. T'es sérieux, j'ai pas de laine? Mais j'avais de la laine avant, quand j'ai buté les moutons. Ah oui, on devait faire ça aussi. Bah ça, on le fera du coup la prochaine fois. Ça, je vous le réserve. J'ai de la laine normalement. J'étais sûr d'avoir de la laine. Ah, pour ceux qui savent à quoi ça sert le démon staff. Parce que ça fait des particules de laine, mais je sais pas ce que ça fait. Et custom NPC. J'en ai plein là encore. Du string.
Ah, j'ai peut-être chez Loulou. Au pire, il y a la tour à meubles, mais faudrait que je la réactive du coup. Est-ce que tu as ce qu'il y a? Wool. Non? String? Ah, t'en as que 6. Mais faut de la laine, les gens. Alors, du coup, je pense qu'on va du coup réactiver la tour à meubles. Oui. Voilà. Quand je dis que c'est assez mortel quand même. Oh, miam, 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 miam. Ah bah c'est bien en plus, ils meurent tous vraiment de chute en fait. Ok. C'est en fait là où j'avais mis juste au-dessus de là, ils ne crevaient pas. Ça fait quand même 2-3 couches de plus, donc ouais. Bon bah, on a du string, hein. Non mais... Voilà, tu vois, il n'y en a pas... Il n'y a pas tout le monde qui crève. Bon, bien sûr, quand je leur fous un peu de matoc aussi, mais ça marche bien. Oh, ta gueule, c'est tellement... Voilà. J'ai pas beaucoup de string dans tout ça, hein, parlant de ça. Alors c'est du coton, certes. J'ai du coton. Le coton, je pense pas qu'on puisse l'avoir facilement. Il y a ça, mais ça fait des strings. Pas encore assez. Va te coucher, toi. Non, je vais la réactiver, ça. Ok. Bye bye. Oui, il y a le keep inventory quand même. On l'a activé. Moi, ça serait con de crever comme ça. Ouais, c'est de la triche, oh là là. Rien à foutre. What the fucking shit? What? Va te coucher, toi. What the fuck? Le mec, il avait... comment? Un dispenser sur la gueule et il tire que des flèches. Ça va, vous mourrez tous? Ouais. Ça va, Imhotep. Ah oui, quand même assez coriace lui. Permettez, on récupère tout ça. Ah bah non! C'est con, hein? C'est quoi ces lunettes? Oh! C'est des glaces. Alors, bien sûr, on peut jeter tout ce qu'il y a là, hein, tout ce qu'il y a, bien sûr, en surplus. On peut largement les laisser. C'est pas trop un problème. Sinon, ça crève bien. Hein. Donc, on avait dit combien de laine? Je sais plus. Allez, crevez les petits. Bonjour. Bidou, bidou. Ah, on n'a plus qu'une laine, hein. Plus qu'une laine et on va pouvoir redéboucher le tout. Bonjour, 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 bonjour. Ah bah voilà. Permettez. Non mais laissez-moi. Ce que je devrais faire en fait, c'est peut-être laisser les araignées crever en fait.
Voilà. Juste laisser les araignées crever. Le reste, ils peuvent tomber. Alors, ça, je vais garder parce qu'il y en a un qui va me taper dessus, sinon. Un string en moins. Et 4 laines, voilà. Nous avons nos 4 laines. On peut se barrer, du coup. Oui! Et faire ce qu'il nous faut. Évidemment, c'est toujours au-dessus. No market! Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est un market. Oh, mais c'est le gomme, c'est cool, comme si j'en avais. Sans garde. Ça sert à quoi? Oh! Non, c'est cool. Qu'est-ce qu'il me fallait comme, comme truc? Tomato? Tomato? Tomato seed? Ah! Sweet tomato. Ouais, mais non. C'est rouge. Chili, coffee, corn. Ouais. Tomato seed. Eh ben voilà. Build. Voilà. J'ai ma tomato seed. Bon bah. Putain, c'est cheaté. Mais ça, je le garde. Ah, c'est cheaté, mais qu'est-ce que c'est cool. Bah du coup c'est cool. Ça voudrait dire que bah je fais ça en fait. Je récupère ça, je fais juste une crops pour la foutre là, pour foutre la tomate. Une tomate, deux tomates, trois tomates, quatre tomates, cinq tomates, six tomates. 7 tomates. C'est tellement cheaté. 8 tomates. 9 tomates. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Et 16. Voilà, j'ai 16 tomates. Ah, tellement cheaté. Bon, bah voilà. J'ai mes tomates. Je suis content. J'ai une autre machine frame que je vais pouvoir mettre du coup là-bas. En récupérant du coup la sapling qui se trouve là. Voilà. Hop. Du coup, ça. Je fous ça. Je fous ça. Et bah, ça serait bien une crops. Voilà. Du coup, nous on va pouvoir se laisser là, du coup les gens. Hop, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas le petit pouce à la fin, comme d'hab. Et puis du coup, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ouais.